On est parti le matin, tac, tac, dans le pas, les montées, clac, 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 ça a super bien fonctionné. Donc on a eu trois jolies dunes, mais jolies, jolies, dont la dernière, bah, comme d'habitude, énorme, énorme, énorme. On avait une corde pour monter, tout, c'était énorme. Et après un énorme plat de 7 km, 51 degrés, et puis là, c'était magique, magique. Marcher comme ça sur les crêtes, ça doit surprendre beaucoup, beaucoup de monde, mais ça me rappelait la Suisse en fait, tu vois. On monte, puis tu arrives en haut, et puis tu marches, puis tu vois les deux flambes, c'est clair que c'est magique, c'est superbe, mais je t'avoue que je connaissais en fait. C'est vrai que c'était dangereux, hein, par contre, parce qu'on sable, pierre, tu vois, t'as les pierres qui partent sous tes pieds, tout bon, on est quand même un petit peu à la queue leu-leu, parce que vu que j'ai marché toute la journée encore, tu vois, j'ai pas pris de risque, parce que... la fatigue. Je m'entends super bien avec Sébastien. C'est un garçon qui a 10 ans de moins que moi. Je l'ai rencontré dans le bus le premier jour. 6 heures après, on était dans la tente ensemble. Et puis maintenant, le premier jour, j'ai couru. Et puis j'ai eu un mauvais final. Et puis il est arrivé. Et puis je me suis mis à le suivre. Il m'a dit croche. Je l'ai suivi jusqu'à l'arrivée. Et puis on a décidé de faire la course ensemble. Et puis de marcher un avec l'autre. Donc on se relaye, on se relaye, on se relaye. Là, sur la fin, il avait un petit coup de mou. Et puis, je pense que mon expérience a fait que moi, je m'étais alimenté un petit peu avant. J'avais senti le truc. Et puis, d'un coup, je lui ai dit, vas-y, laisse, je te ramène à la maison. Voilà. C'était magique. Super. Tu sais, des fois, dans la vie, tu te fais des potes, quoi. Tu fais des potes, t'attends pas. Des fois, ça va loin. Demain, on a 8 ans de Siban. Si on se ramène à la maison, putain. Ça va être beau.